Toutes ces pièces-là qu'on enregistre, ce sont des grandes cadences de piano, ce sont des grands solos de cordes accompagnés par le piano, c'est de l'orchestral, c'est du lead, c'est donc le côté soliste. Et en même temps, on fait de la musique de chambre. Des pièces d'orchestre, mais ils ne connaissent pas le trio de Smetana, ils ne savaient même pas que Smetana avait écrit un trio. Ils découvrent ça et en général, ils sont renversés, quoi. Il y a un choc, c'est la musique qui procure un choc. L'histoire de cette œuvre, c'était un élève de Liszt qui avait pris cette pièce, l'abbé d'Obermann, pour en faire une transcription pour trio. Puis il a commencé à travailler dessus, il s'appelait Lassen. Et puis il l'a montré à Liszt, puis Liszt a dit « c'est très bien, ça marche bien ». Puis il a récupéré ça pour lui, il a dit « je m'en occupe ». Et ça fait une pièce importante, qui fait presque 15 minutes, donc c'est vraiment une pièce de grande dimension, qui est magnifique et qui fonctionne très très bien pour les corps, parce que les thèmes de l'abbé d'Obermann sont très lyriques. Incroyable parce que moi j'aime beaucoup Liszt, surtout à cause des harmonies. Ça préfigure Wagner en fait. Moi je pense que Wagner lui a tout piqué, pas seulement sa fille. Et déjà ça préfigure aussi Debussy. Qu'on fait peut-être avec le temps, c'est qu'on va peut-être plus à l'essentiel. Je pense que je vois ce que quand on prend les œuvres qu'on voit, même sur des Schubert, là, c'est qu'on a beaucoup joué aussi. Donc là, on est dans Smetana, c'est que avec le temps, on s'attarde moins sur des détails en fait. On essaie d'aller au cœur de la musique, des choses plus essentielles, donner plus de force en fait, des directions, des choses plus directes. Et je me souviens moi de avec le temps maintenant des professeurs qu'on a eus, comme Mme Pressler, ou surtout les gens du Quatuor Amadeus, Norbert Breining, c'était toujours ça. Alors c'était plus leur musique viennoise. Et ils disaient toujours, continuez, enfin, keep going, on disait, parce qu'ils parlaient anglais. Donc allez, continuez, vous arrêtez pas, c'est pas fini. Donnez toujours une direction, un sens à la partition.